La nouvelle va transformer le paysage aérien de la Guadeloupe. La compagnie norvégienne propose désormais deux nouvelles destinations à prix cassé, Montréal et Cayenne. Une nouveauté que cette agence de voyage compte bien exploiter. Là, nous avons avec Norwegian Airlines un point tapis pour aller à la destination Cayenne, donc le samedi, et retour le samedi d'après. Nous avons aussi Montréal, très demandé, vous savez, au niveau Montréal, maintenant beaucoup d'étudiants vont faire leurs études au Canada et les parents aiment bien aller voir comment ça se passe. Et le billet, effectivement, a un coût assez considérable. Avec la venue de Norwegian, ça va pouvoir faire la différence. Une différence qui a rapidement fait accroître la demande des clients. Quand je regarde le tableau, je vois que j'ai une trentaine de demandes à ce niveau-là. Ça prouve que vraiment qu'il y a cette demande, la demande est forte et les gens sont vraiment satisfaits, sont contents. En plus de valoriser l'intérêt de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, les opportunités de voyage proposées par Norwegian attirent une clientèle bien particulière. À la Guadeloupe, beaucoup d'étudiants rêvent du Canada pour entamer des études. Mon métier envisagé, c'est d'être professeur de basket. Et ce métier est très expérimenté. Hein. En Amérique du Nord, donc ça m'intéresse beaucoup de prendre ce vol pas cher. Pour le directeur de l'aéroport, les nouveaux vols Norwegian ouvrent encore plus la Guadeloupe sur le monde. C'est vrai que l'arrivée de ce nouvel opérateur va peut-être entraîner effectivement une baisse des prix, mais surtout donner à la Guadeloupe l'accès donc à ce marché de manière encore beaucoup plus large que vous avez aujourd'hui. Des universités qui viennent en Guadeloupe faire la promotion donc, de leur cursus, de leurs études. Vous avez la région aussi qui a des programmes pour des jeunes, donc pour qu'ils aillent faire des études au Canada. Et c'est vrai que l'existence de cet opérateur va permettre d'accéder donc à ce pays donc avec des coûts beaucoup moins importants. Des coûts moins importants pour des destinations à fort potentiel, de quoi donner envie à certains de s'envoler vers de nouveaux horizons.